Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne la technique du stop motion? Eh bien, la technique du stop motion, en fait, même là, ça revient un peu à la technique d'origine même du cinéma, en fait, qui consiste simplement à prendre une multitude de photos et à travers lesquelles on les enchaîne à une certaine vitesse. Et si on les en enchaînant les photos très rapidement, on peut avoir l'illusion du mouvement, ce qui est la base donc des films. Et pour le stop motion en particulier, le stop motion, en fait, c'est que contrairement à des films où on utilise une caméra qui fait déjà tout le processus, en fait le stop motion on le refait nous-mêmes le processus à partir d'un appareil photo. Donc je prends par exemple je prends deux ou trois photos, par exemple on voit un personnage bouger. Alors, là j'avais pris deux photos, donc là j'en reprends une autre. Voilà, donc j'en avais déjà pris plusieurs avant. Et si on défile, voilà, Go, c'est parti. par contre, ça floute un peu à chaque fois. Ok, Voilà. voilà, une Donc séquence ça. terminée. Voilà. Le général nous a donné rendez-vous sur Alferaz. Parfait. Cette ville est vraiment gigantesque. Alferaz est la planète qui regroupe toutes les races et espèces de la galaxie. Elle est souvent appelée la capitale des planètes. C'est sympa ici. C'est pas le moment de geeker.